bien bonsoir messieurs, dames, ce sont les Jeux Olympiques. Nous allons essayer aujourd'hui le sport boule. Le sport boule, qu'est-ce que c'est? Réponse tout de suite. Allez, pour la France, pour la France. Merde. Ah là 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 là, terrible. C'est mal joué. C'est mal joué. Non mais j'ai fait un mauvais déplacement, je crois. J'étais trop... Alors Jean-Yves, qu'est-ce que le sport boule? Alors le sport boule, notre fédération regroupe trois sports de boule, donc la boule lyonnaise, qui était l'origine du sport boule, et puis donc la boule bretonne et la rafablo, qui sont deux disciplines qu'on a rapatriées avec nous et qu'on travaille au développement. Et en sport boule, donc, nous avons aussi trois types d'épreuves, donc les épreuves traditionnelles tête-à-tête doublette avec des parties de boule, et des épreuves de tir sportif où on a donc du tir en relais, du tir progressif, qui sont des épreuves où on court pour frapper le maximum de boules en 5 minutes, et des épreuves technico-tactiques qu'on appelle, c'est-à-dire le tir de précision où on a aussi à faire le maximum de points, et le point et le combiné qui est une épreuve de 32 boules jouées pour faire le maximum de points. Eh bien, on va se mettre tout ça en pratique. Oh là 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 là, c'est beau. Le but en fait, c'est de tirer le maximum de boules, ouais, et d'en taper aussi le maximum. Voilà. Okay. Et toujours dans les règles du sport boule, en tapant la boule 50 cm avant. Allez, let's go. Attends, c'est comme ça. Mauvais essai. Ah là là, c'est pas vrai. Ça s'approche, ça approche. Ouais, 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 ouais. Ok. Ah là 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 là. C'est mieux, c'est mieux. C'est un point qui est tombé sur le tapis. Et c'est parti. Je suis désolé. C'est pas mon truc. Pas mal. Déjà la pétanque, je suis nul. Alors là, encore plus, c'est encore plus dur là. Ah, c'est plus technique. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est physique. Et non, ça va pas du tout. Monsieur le Président, c'est à vous. Rafavolo, qu'est-ce que c'est? Alors la rafavolo, c'est une discipline du sport boule en France. Ouais. Donc, comme vous voyez, les boules sont un petit peu différentes, elles sont colorées. Je peux sous-peser? Ouais, merci elles font bien. 1 kg à peu près. Ok. Alors et que les autres, elles font combien les boules de lyonnaise sont un petit peu plus légères. Ouais. Et le diamètre est un petit peu plus petit aussi. Il y a deux règles principales. Quand on tire, on peut tirer soit volo, ouais, c'est-à-dire directement sur la boule. Ouais. Ça s'appelle la volo, c'est cette ligne-là. Oh. D'accord. On a le droit de venir jusque-là. Sinon, l'autre façon de tirer, c'est à la roule, qui s'appelle Rafa. C'est pour ça que le sport s'appelle Rafa Volo. Ok. Rafa, c'est à la roule et Volo, c'est directement sur la boule. Ouais, ouais. Et la ligne de Rafa est là. Hey, c'est raté. Ah non. Ah là là là. Ah oui. Ouais, merci en tout cas. C'était... Merci à toi. J'espère que ça fait ouais. Ça contribue à faire des coups. Ça a lancé une nouvelle passion pour moi.